Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malexsgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Aujourd'hui c'est un tuto très spécial, tuto tracking, IM crosshair placement, ça va être très particulier. Il y a deux énormes stars internationales que vous connaissez tous, Scream et notamment Shroud, qui ont deux styles d'aim extrêmement spectaculaires mais extrêmement différents aussi. Aujourd'hui je vais vous montrer quelles sont ces différences. Elles sont complémentaires, elles ne sont pas ennemies. Chaque joueur a une particularité, on va dire, bien à lui et un style bien défini. Avant ça, je vous invite tous à vous abonner, ceux qui ne le sont pas, si vous appréciez le contenu autour de Counter-Strike, que ce soit les tutos, les guides, les conseils, mais aussi l'actualité, ce genre de choses, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a deux types de crosshair placement. Le crosshair placement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est positionner son crosshair de manière à anticiper l'adversaire ou ce genre de choses. Ça veut dire que si je tournais autour de ce mur, bah je mettrais mon crosshair ici à gauche et je tournerais autour ici. Bien évidemment les gars, ceux qui ont une sensibilité plus élevée auront forcément de la facilité au crosshair placement. Il y a deux types de crosshair placement. Il y a le crosshair placement que je collerai de pré-shot, ok, c'est celui de Scream. Et il y a le crosshair placement que je collerai plutôt de tracking, et c'est celui de Shroud. Mais Scream a également un crosshair placement de type tracking, il a un style d'aim de type tracking qui fait qu'il est extrêmement complet, que n'a pas forcément un Shroud ou qu'on n'a pas forcément nous. C'est-à-dire que nous, normalement, je vais vous donner un exemple très concret et vous allez vite comprendre. Donc là, je vais les faire bouger les bots comme ça. Vous, quand vous jouez, moi, quand je joue, moi, c'est mon cas. Peut-être que c'est pas le vôtre. Et il faut savoir que tous les personnages que vous considérez comme spectaculaires, je sais pas si vous jouez avec des potes, et vous savez qu'ils ont un truc en plus, ils ont un style d'aim un petit peu particulier, et c'est très spectaculaire, et vous voyez qu'ils ont une facilité à tirer, parce qu'ils ont pas le style d'aim que vous avez. Et que certainement, vous avez, comme moi, un style d'aim de merde. C'est-à-dire qu'on a un style d'aim de pré-shot. On a un style d'aim le plus basique, parce que c'est celui qu'on entraîne systématiquement et c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Donc je vais vous montrer le tracking, ça veut dire on va essayer de rester comme ça, voilà, et on garde le crosshair sur la tête du mec et voilà. Donc vous pouvez voir que moi par exemple au niveau de mon tracking ça va, tu vois, j'ai un bon tracking, j'y arrive, sauf que c'est pas le style avec lequel je vais jouer. Je vais vraiment avoir le style de pré-shot le mec, ça veut dire je connais, voilà, et cliquer comme ça et faire des droites gauche comme ça jusqu'à l'avoir. Là, je fais pas exprès, hein, je regarde même pas mon écran. Vous voyez, j'essaye vraiment de vous faire ressentir ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que il y a des gens comme moi qui ont un style d'aim de pré-shot, ça veut dire voilà, comme ça. On le suit plus ou moins et le mec fait des droites gauche et on pré-shot à gauche, on pré-shot à droite, on pré-shot à gauche, on pré-shot à droite jusqu'à le toucher. Et il y a des vrais mecs comme Forest, comme Rain, comme Scream aussi, même si lui il a un IM vraiment pour pré-shotter, mais il a vraiment un style d'aim de tracking aussi, parce que ces mecs là le suivent le mec, vraiment, ils sont ultra concentrés, ils vont suivre le mec jusqu'à tirer au bon moment, genre ils vont le suivre comme ça, et ils vont viser au bon moment. On a déjà vu des clips de Forest par exemple, avec 3 balles dans son chargeur, il a un sang-froid hors norme et le mec le suit comme ça et poum, il met sa balle dès qu'il passe dessus. Ça, c'est le tracking. Mais il faut savoir que 99% des gens, je pense, c'est bien évidemment une statistique que je sors de mon chapeau, mais quand je regarde des gens, quand je suis mort, que je me mets en spec sur les gens ou quoi que ce soit, la majorité des gens ont un style d'aim de pré-shot. Je pense que le style d'aim de tracking est le plus efficace. Je pense que c'est le meilleur à posséder, mais je pense que c'est également le plus difficile à contrôler. C'est-à-dire que j'ai moi-même essayé de travailler mon tracking et tout, j'ai un bon tracking désormais, mais je n'arrive pas à jouer moi en temps réel avec ce style de jeu-là. Ça veut dire que n'essayez pas, maintenant que vous connaissez la supercherie, j'ai envie de dire, d'essayer de vous améliorer sur ça. Vous allez vous améliorer, mais ce n'est pas votre style d'aim, donc ça ne sert à rien d'essayer de le faire. Vous allez systématiquement revenir à ce que vous faites naturellement, ça veut dire pré-shot. Je vous donne un exemple. Vous pouvez vous entraîner au tracking, hein, bien évidemment. Comment on s'entraîne au tracking? Donc moi, je vais vous expliquer très, très facilement.
déjà, ça ne sert à rien de les faire bouger comme ça et de le faire que sur l'axe des X, c'est-à-dire l'horizontale. Faire que du droite-gauche, ça ne marche pas. Parce que déjà, vous ne vous entraînez pas au niveau du clavier. Parce qu'en temps réel, quand vous regardez un Scrim jouer, justement, c'est pour ça qu'il a un aim incroyable, ou un Forest, ou un Rain, toutes ces machines de guerre qui ont un style tellement pur, c'est parce qu'en fait, ils ont beaucoup de sang-froid, ils traquent avant de tirer. XMS également, qui est beaucoup moins connu internationalement, mais qui a un style d'aim très spectaculaire, c'est parce qu'il fait ce genre de choses. Il faut tourner autour des bots comme ça et garder votre viseur sur eux. Voilà. Et là, vous traquez le CT, je traque l'autre, je traque lui. Voilà. Et voilà. Donc je traque, je tire pour avoir bien le contre-strafe parfait pour le moment du contre-strafe. C'est extrêmement technique. C'est des APM que les gens sous-estiment énormément dans CS. Tout le monde essaye de faire justement les erreurs. Je vais vous montrer dans deux secondes les erreurs qu'on commet tous, que j'ai commises au début de CSGO. On regarde tous... Enfin, moi, je ne regardais pas forcément des tutos, mais on s'entraînait de cette manière-là. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on sous-estime beaucoup trop les APM au clavier et le tracking. Donc les APM au clavier, c'est tourner autour, et là le contre-strafe, tourner autour, le contre-strafe. Je traque, je traque, je traque, je traque, je traque, le contre-strafe, je traque, le contre-strafe. Maintenant je vais les faire bouger, ok. Voilà, on va les faire bouger en juste en droite-gauche tranquille, parce que sinon je suis une merde. Donc là je traque, je traque, je traque, je traque, je traque. Là, voilà, là ça va, là. Voilà, vous voyez, hein, j'ai du mal, hein. Parce que j'essaye vraiment, je suis en mouvement constant. Je suis vraiment en QD, c'est vraiment constant. D'accord ? Parce que sinon, je pourrais juste ne jamais bouger et faire ça. Et tu dirais, waouh, Malek, t'es trop fort. Non, ça ne sert à rien. Il faut vraiment faire QD pour que le contre-strafe parfait, voilà, le contre-strafe parfait, et traquer à fond. Si vous vous entraînez à ça, peut-être que vous allez vous améliorer. Moi, j'ai vraiment, je me suis forcé de ouf à m'entraîner comme ça. Ça m'a amélioré, c'est vrai que j'ai un meilleur tracking qu'avant et ce genre de choses, mais je sens que je reviens vite à mon naturel, c'est-à-dire le pré-shot. Vraiment le pré-shot à fond et ce genre de choses. Je vais vous montrer juste après comment s'entraîner à ça de manière réelle. Donc vous pouvez le faire sur les bots, mais c'est mieux de le faire en deathmatch, ça. Et les erreurs à ne pas faire, c'est qu'en fait, on s'entraîne tous à ça. Regardez, on vient ici et on fait ça. Donc ça travaille rien au niveau de l'IM, ça travaille que... du flic, ça travaille le flic, ça travaille la mémoire musculaire, voilà, votre gestion de l'espace et ce genre de choses. Ça travaille pas votre tracking, ça travaille pas votre précision, ça travaille pas votre concentration au niveau du visuel ou ce genre de choses, ça travaille vraiment votre mémoire musculaire et du flic, uniquement. Donc déjà, si on va sur des maps, si vous voulez le faire en workshop par exemple, si vous allez par exemple sur des maps comme Fast IM Reflex, c'est déjà un peu mieux pour travailler son tracking. Les bots ont des mouvements beaucoup plus réguliers, c'est vraiment une vitesse plutôt réelle. Et justement, les bots ont des mouvements irréguliers, qui sont plus réalistes. Et donc forcément, pour travailler votre tracking, c'est ce qu'il va y avoir. Il y a donc, ce que je disais, deux types de crosshair placement. Là, j'essaye de vous expliquer vraiment le crosshair placement au niveau du tracking, au niveau du pré-shot. C'est ce que vous travaillez tout le temps, de toute façon, c'est strafe, tirer, strafe, tirer, strafe, tirer. Nous, ce qu'on travaille... En général, c'est je strafe, je tire. Merci Balou pour le don. On parlera de ça plus tard parce que ça rentre en compte. Je décale, je tire. Je décale, je tire. Vous voyez, et je décale, je tire. Vous voyez, je fais que pré-shot en fait. Je traque jamais. Des vrais gros, enfin pas les vrais gros joueurs, mais les types de joueurs qui ont un gros aim, comme je vous ai cité pour vous donner des exemples, ont un style de tracking. Ça veut dire qu'en fait, ils vont traquer, tirer. Vous voyez, c'est beaucoup plus clean. Tu vois que mon viseur est vraiment sur le mec, tu sens que je fais que le viser, ce genre de choses, donc c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus spectaculaire. Alors que quand moi, je tire, vous allez voir par exemple que je vais faire ça. Et en fait, vous entraînez à ça, c'est typiquement ce qu'on fait. Ça, c'est très facile. C'est pas facilement maîtrisable, faut pas abuser non plus. Ça prend quand même des années d'être à un bon niveau, ou en tout cas beaucoup de milliers d'heures de jeu. Mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. On va aller en deathmatch normal. Vous allez voir que là, le tracking, c'est trop difficile à s'entraîner à ça par rapport au pré-shot. C'est vraiment extrêmement subtil. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont faire que pré-shot, c'est-à-dire clic en faisant des décales. Et il y a des gens qui vont pas cliquer, mais qui vont vraiment attendre le moment où ils savent qu'ils seront sur le mec pour tirer.
C'est vraiment ça la différence. Donc là, je suis en HS mode only. Voilà, là, j'ai fait un tracking sur celui-là. Lui, je l'ai pré-shot. Vous voyez, moi, je pré-shot. Moi, je pré-shot uniquement. C'est-à-dire que je clique en visant et je suis pas dessus. Je fais que cliquer là. Et quand vous allez regarder des scrims ou des shrouds ou des rains ou des mecs comme ça, même s'ils ont un IM totalement différent, parce que vous allez avoir un crosshair placement de pré-shot comme ça, pré-shot comme ça, pré-shot comme ça, pré-shot comme ça. Donc c'est pré-shot comme ça, pré-shot comme ça, pré-shot comme ça. Et vous allez faire que ça. Juste à travailler le contre-strafe et ce genre de choses. Si je faisais du tracking, je vais vous montrer. Il faudrait que je sois là. Voilà, je suis sûr de l'avoir sur sa tête, je tire dessus. Je suis sûr de l'avoir sur sa tête, je tire dessus. Vraiment être sûr. Vous voyez, j'ai pas eu le temps, j'ai vraiment essayé de le viser à chaque fois et tout. Et voilà, là j'ai fait du tracking, ça va. Mais vous allez voir qu'en temps réel, dans des duels qui prennent des microsecondes et tout, si vous êtes pas rapide, si c'est pas vraiment votre truc, vous allez voir que vous allez systématiquement mourir. Voilà, là j'ai essayé de viser, j'aurais pu tirer bien avant, j'aurais pu vraiment essayer de le viser et de lui tirer avant, mais j'ai voulu prendre le temps, donc il m'a tué avant. Donc là, voilà, je vise, là, ça va, là, j'ai là je l'aurais eu. Le mec en haut, il a été mort, il a été tué avant, mais je pense que j'aurais pu l'avoir. Voilà, toujours pré-shot, hein, le bon crosshair placement aussi c'est ça, c'est pré-shot les angles, pré-shot les angles ici, là j'attends la corniche, je vais corniche, je vais corniche, je vais tout de suite en haut là-bas. Voilà, faut toujours pré-shot, ça c'est... Après, voilà, là il y a eu un bon tracking. Voilà, il y a eu un bon tracking, je prends du temps et tout, j'ai beaucoup de sang-froid, mais en temps réel, de faire systématiquement ça, vous voyez, j'ai pas le temps en fait. Vous voyez, j'ai pas le temps, parce que les mecs te pré-shot avant et en général c'est ça quoi. Ouais, je fais que cliquer, là je fais que cliquer aussi, en visant en proximité de sa tête, voilà, je fais que cliquer, je pré-shot, je pré-shot, je pré-shot, voilà, il a pris la tête. Voilà, c'est par exemple, là typiquement, c'est ce genre de kill que je veux vous expliquer, que ce n'est que du pré-shot en fait. Et je clique au niveau de la tête comme ça, il va en prendre une et merci, au revoir quoi. Et des mecs comme justement Rain, Shroud, Scream, etc. ne font pas ça, ils économisent les balles, ils veulent être sûrs de tirer sur le mec, donc ils attendent comme ça, hein, ils suivent comme ça, hop. Et ils font ça. C'est beaucoup plus clean, c'est beaucoup plus propre et tout. Voilà mes amis. Voilà, 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 voilà. On va s'arrêter là. Je pense que vous avez plus ou moins compris fondamentalement ce que j'essayais de vous expliquer entre la différence de tracking, vraiment pour traquer, et le pré-fire. Je pense que la majorité des gens ont un style de pré-fire. Je pense, personnel, je pense que le tracking est un style d'aim bien plus difficile à maîtriser, beaucoup plus efficace, mais vraiment, 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 vraiment au-dessus. Quand quelqu'un maîtrise ça, je trouve que c'est vraiment plus efficace. Mais c'est pas donné à tout le monde. Et on va même dire que ces gens sont talentueux ou ce genre de choses. Je ne sais pas. C'est peut-être une manière de jouer qu'ils ont eu. Ils se sont entraînés comme ça et c'est naturel chez eux. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un like. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des suggestions de tutos. À très bientôt. Merci beaucoup.